Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Comics Aboard présentée par le Geekophile. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de novembre 2016 et on commence avec les kiosques. Il y a peu de choses puisque j'ai lu de grosses librairies qui m'ont pris pas mal de temps. Mais du coup, on va commencer tout de suite. Je vous présente. Donc, on commence très rapidement avec deux lectures Marvel. La première lecture, c'est Avengers, donc ça c'est la série courante de Avengers, c'est le tome du coup de novembre. Et dedans, en fait, pourquoi j'en parle, alors que j'ai dit que je ne parlais pas des séries régulières s'il n'y avait pas de nouveautés, et bien là il y a des nouveautés, il y a ce qu'on appelle Pleasant Hill. Pleasant Hill, c'est une nouvelle série, une nouvelle saga, en fait, un nouvel arc scénaristique plutôt, donc autour des Avengers, et autour de ce Pleasant Hill, c'est une genre de ville un peu parfaite, qui est très particulière et dont un mystère en fait, c'est assez mystérieux parce que c'est trop parfait, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, on va suivre le personnage, un personnage dont on ne connaît pas le nom au tout début. Et puis, on peut ensuite en parallèle de ça, on a une deuxième histoire sur Pleasant Hill où on suit cette fois-ci le soldat de l'hiver qui va un peu faire comme une genre d'investigation autour de ce Pleasant Hill. Donc un très bon, je trouve un très bon début. Ce sera en 4 tomes, donc même ceux qui suivent pas la série régulière, qui veulent lire cette histoire, c'est sur 4 tomes. Donc vous pouvez acheter, bon, il y a celui-là, celui de décembre, janvier et février. Donc cette histoire va en plus, comment dire, va donc ne dure que, voilà, que 4 tomes. Cette histoire ne dure que 4 tomes. Du coup, ça se lit, déjà celui-là se lit très rapidement. Et puis la suite, j'attends impatiemment. J'ai acheté aujourd'hui. Puisqu'on est le 2, je vais acheter aujourd'hui puisqu'on est le 2 décembre les kiosques de décembre et je vous en dirai un peu plus peut-être. Donc voilà, donc j'attends de voir avec impatience cette suite, mais normalement c'est vraiment très très bien pour l'instant. Ensuite on a Marvel Saga. Marvel Saga, ici on a l'histoire de Amadeus Cho qui est le nouveau Hulk. Et oui, effectivement, Hulk ici n'est plus Bruce Banner mais Amadeus Cho, un jeune asiatique surdoué, une des personnes les plus brillantes sur Terre. Et en plus de ça, son Hulk, sa créature du moins, il la maîtrise relativement bien. C'est-à-dire qu'il se transforme en Hulk et ne part pas en live comme notre Bruce Banner. On a par contre toujours cette double identité. Et puis on a en plus de ça une double histoire, puisqu'on a une histoire au présent où on voit Amadeus Cho et sa sœur qui vont combattre des créatures. Hein, c'est la mission que s'est donnée Amadeus Cho, il s'est dit. Hulk est la créature la plus puissante sur Terre, eh bien pourquoi pas lutter contre les autres créatures de cet univers. Voilà, donc il y a plein de. Enfin, on voit un combat, etc. Et c'est assez intéressant. Enfin, un combat assez particulier, combat, mais je vous laisse le découvrir. Et puis, on a en double. Donc, la double histoire, c'est les origin stories de Amadeus Cho via des flashbacks. Voilà, donc assez intéressant comme récit. Et donc je le conseille, en plus il se lit très bien parce qu'il est indépendant vraiment de tout l'univers. C'est un nouveau personnage, donc même ceux qui ne connaissent pas l'autre Hulk, Bruce Banner, etc. Eh bien là je vous le conseille puisqu'on n'a pas besoin de connaître le personnage et on découvre. Et c'est vraiment très intéressant. Enfin, troisième kiosque et dernier kiosque pour ce mois-ci, c'est Batman Universe hors série. Là on a cette fois-ci Robin War, qui est donc une série. Qui avait déjà commencé dans Batman Universe, donc les réguliers, qui a continué d'ailleurs dans le tome de novembre de Batman Universe, et qui du coup suit une armée de Robin qui s'organise dans Gotham pour pallier à l'absence du vrai Batman qui est Bruce Wayne. Donc ici, on a plein des tie-in, on va dire. Oui, c'est un peu comme des tie-in, c'est pas vraiment des tie-in par rapport à l'histoire de base, mais voilà, on a toute cette histoire où on va suivre ces Robins. C'est sympa, mais c'est pas grandiose et j'en suis pas particulièrement fan de cette histoire. Donc bref, c'est pas le conseil que je donne si vous voulez lire vraiment des kiosques de novembre. Voilà, c'est tout pour ce mois de novembre. Je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de kiosques ce mois-ci. Donc on se retrouve très vite pour que je vous parle des librairies que j'ai lues en novembre. Sur ce, ciao, ciao.